Et bonjour à tous et bienvenue, vous êtes en compagnie de David, David et de Maybe, Maybe, bonjour. Salut David, comment va... Salut David, comment vas-tu? Je vais bien, alors regardez, c'est... vous allez dire, c'est... on va devenir un peu les Caradoc et les Perceval d'Hearthstone, mais regardez un petit peu là, ma femme savait qu'on allait commencer à record, donc juste pour qu'on tienne le coup avant le souper, vous voyez, petite... allez. Ah, quelques petites olives. On voit pas le petit fromage, regarde. Ah oui, le fromage, il est... Sur le fond, tu vois. Il disparaît, le fromage. Ouais. Ah non, non, c'est à cause de la lumière. Attends, sympa. Bah, c'est de la feta. Ouais. Mmh. Ah, elle est un peu hard, hein. Ah, moi, au contraire, je le trouve léger. Ah bon? Moi, j'aime bien, moi, le fromage. Qui pue? Mais pas qui pue, qui a du caractère. Tu veux dire qu'il pourrit un peu? Un peu ouais, fermenté, ouais. Moi, je les mets dans le jardin pendant un mois. Non, non, en plein soleil. Bon. Que ça sente comme une chaussure de pèlerin en fin de journée, quoi. Une chaussure de pèlerin en fin de journée. Mais c'est pas ça, là. Non, mais je viens de l'inventer, là. C'est sorti comme ça. J'ai eu un éclair, tu vois, une illumination. On a une petite olive. En plus, ouais. Ça m'arrange. Olive, olivier. Attends, je vais prendre un papier. Prendre un papier pour qu'on puisse les taper dessus. Bon, ils vont vraiment se dire, les gens, qu'on fait que bouffer, en fait. Ouais, mais en même temps, ils auraient pas forcément tort, hein. Ouais, c'est ça. Allez, encore un petit dernier morceau de feta un peu. Sinon, j'espère que vous allez bien, les gens. Non, alors, attends, on va faire... Ouais, mais tu vois, j'essaie de meubler un peu pendant que tu bectes, quoi. Exactement. Bonjour, les gens, comment allez-vous? Oh, mais quand t'as la dalle, alors. Un petit frichti. Non mais on s'hydrate, ça arrive. Allez, dites pas, vous faites exactement pareil devant... Moi je trouve que... Il devrait y avoir l'égalité sur Internet pour tous, tu vois. Je vais la goûter, là. Il devrait y avoir l'égalité de chaque côté d'Internet. Tiens, voilà, je t'ai même servi de la vator. Elle est goûtue, la petite orange. Comment dis-tu? La petite orange, là, elle est... La tomate orange. Regardez, une tomate orange, là, c'est... Elle glisse. Oh, elle apparaît jaune, t'as vu? On lui a enlevé son verre. Elle glisse, mais toute seule, quoi. Ouais, vraiment. Ouais, pas mal. Ouais. Mais celle-là ouais. Bon, bref. Pourquoi on est là, David? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Mais celle-là, en fait, quand je l'ai croquée, je crois que j'avais encore la bouche à moitié ouverte. Elle a fait... Je sais pas où c'est parti. En plus, l'affaire Top Chef, hein. Cette tomate était juteuse, à point, une cuisson bien maîtrisée. C'est ça, c'est vraiment... pas du tout cuite. Pas d'erreur de cuisson. La cuisson est parfaite. C'est ça, elle est pas cuite, chef. Ouais, franchement, parfois quand tu les vois, parce que moi j'en rate pas, hein. Faut savoir que je suis addict aux émissions de cuisine. Hein. Ah, quand je déteste la télé, je regarde jamais, ou très peu. Mais les émissions de cuisine, alors Top Chef, Cauchemar en cuisine et Le plus grand pâtissier. Ah, t'aimes bien ça. Ah, c'est genre, mais limite, ça, c'est au point qu'il y a un tournoi. Je fais pas le tournoi où j'ai coaching. Écoute, là, il y a Top Chef. Je te prends. Tu peux pas enregistrer ton émission? Mais si, mais c'est pas pareil parce qu'après, je peux pas m'empêcher d'aller. Tu sais, c'est comme les footeux. Je peux pas m'empêcher d'aller voir qui a été éliminé. Oh, bah, il faut regarder juste après ton tournoi. Mais, ouais, mais j'arrive pas. C'est vraiment une addiction. C'est un compulsif de. C'est qui a été éliminé là. Ouais, non, mais ouais. Hein. D'ailleurs, j'avais le cœur déchiré parce que j'étais pour les trois. Et là, c'était la demi-finale, il y en avait trois. Merci, j'étais pour les trois. Adieu. Ouais, mais c'est ça. Hein. Et tiens, c'est marrant, regarde, il y a une petite. On a rectifié. On a la petite strotch. C'est ça. Bon, bah bonjour tout le monde et bienvenue. Vous êtes en compagnie de David, David et de Maybe. On reste dans le thème de la. Ouais, c'est ça le thème. Vous êtes en compagnie de David, David et de Maybe, j'espère que vous allez bien. Ben écoute. Tu vas bien toi? Écoute, impeccable, bonne semaine. Hein. Ouais, alors justement, en parlant de semaine, on commence la semaine à chaque fois par la revue des cartes, la revue. La petite revue des cartes. C'est fait exprès pour les emmerder en fait. C'est ça, c'est ça, c'est pour les pinailleux. Pinailleux, enfin bon. Des cases dédiées aux pinailleux. Ah, vas-y, comme tu pinailles quoi. Alors, ben une petite, ici un petit sort voleur. Ouais. Coûte 6, déjà ça coûte cher. 6, il y a intérêt à ce que ce soit bon. Hein. Ouais. Pour 6, vous piochez une carte. Oui. En place 2 copies supplémentaires de votre main. Ah. Donc en gros, ça t'en fout 3 dans ta main. Ouais. T'as vraiment envie que ce soit un bon truc. Hey, si tu chopes 3 trucs pas bons, t'es un peu triste. Mais après, dans le voleur, c'est vrai que. 3 huiles d'affûtage, c'est. Ouais, ça peut le faire, hein. Je veux dire, 3 huiles d'affûtage. Mais bon, c'est vrai que moi, c'est une carte. Je vois pas en quoi. Après, peut-être que hein, dans un... Ouf, putain, t'as vu le bégaiement là? Terrible, ça, c'est la digestion qui me fait ça. Enfin bref, je vais dire, dans un archétype,
Fatigue, par exemple. Pas ton temps, repégué. Dans un archétype fatigue, par exemple, tu mets un murloc. Non, mais bon, faut avoir un petit peu de réussite. Ou dans de la grosse créature. Ouais. Ça te relance, t'imagines, dans un... Ouais, c'est un peu de souffle, mais à quel moment cette carte serait meilleure qu'un sprint? C'est ça la question que moi je me pose. Après, peut-être qu'il y a quelque chose auquel j'ai pas encore pensé, qu'on nous dira dans les commentaires. Ouais, mais vous avez oublié ça. Mais oui, piocher une carte en place deux copies supplémentaires. Ouais, mais à quel moment un sprint est pas supérieur, quoi? Sprint, c'est 4 pour 7. Ouais, mais ça, t'avances dans ton deck. Là, t'avances pas dans ton deck. Et comme tu dis, tu chopes triple prep. Bon, ça peut être bien, mais il y a des moments où tu chopes triple prep, t'es le gars malheureux, t'es le gars triste, quoi. Surtout, si t'es surtout que moi, tu sais, moi, je suis le genre de mec à choper des triple prep. On va changer tout ça tout à l'heure. On va changer tout ça tout à l'heure. Bref, le T, en tout cas, carte sur laquelle on se pose des questions. Ouais, je suis dubitatif, mais après, pourquoi pas dans certains archétypes, je pense que... Oui, peut-être qu'on n'a pas pensé à un truc. Ouais, mais c'est pas impossible. Si t'es le genre de mec qui fait des murlocs avec ça, ça peut être très bien. Oui, ça pourrait être rigolo. Bon, bah voilà, en tout cas, c'était une première carte intéressante, je trouve. Alors ici, on a l'invocateur du crépuscule. A1 pour 4. Mais c'est nul! Bon, attends. Râle d'agonie invoque un destructeur sans visage 5-5. Mais c'est nul quand même! Tu sais, c'est un peu comme les poneys, quoi. Déjà, même le poney, je le trouve meilleur et c'est limite pas joué, quoi. Mais là, enfin, ce qu'il y a, c'est que je vois pas l'intérêt d'attendre 3 tours pour que tu aies ta 5-5. Quoi. Déjà, ouais, c'est ça, déjà pour commencer. Ensuite, quand tu vois maintenant, par exemple, le truc du chaman, la 4-5 pour 4 avec un vrai effet, comment il s'appelle celui-là, la nouvelle là, qui change, tu sais, qui te change une créature. Même un bête Yeti comme à l'ancienne, enfin, je veux dire. Oui. Moi, ça me vend pas du rêve du tout. Non. Après, encore une fois, il y a peut-être des combos qui vont se mettre en place. Hein, mais... Voilà, des usages un peu particuliers. Mais là sur papier, on se dit bah, pourquoi pas jouer tout de suite un bon drop 4. Mais oui, c'est ça. Pourquoi pas jouer une vraie carte directement, quoi. Surtout que là, t'es extrêmement sensible à la chouette. Oui, alors oui, c'est un compris tir. C'est méga bingo. Alors, une carte prêtre, éteindre l'ombre. Éteindre l'ombre. Comment est-ce que tu veux éteindre l'ombre? Robin. Robin. Bon, alors qu'est-ce que ça raconte? Déjà, c'est une carte, un sort qui coûte 2 pour le prêtre, c'est bien. Durant ce tour, vos effets de soins infligent des dégâts à la place. Bien, très bien. Parce que là, du coup, t'as plus besoin de ton Okenai, nécessairement. C'est ça. Moi celle-là, par contre, je l'aime bien. Parce que ça fait office d'Okenai. C'est ça. C'est ça. Non, moi, j'aime encore bien celle-là. J'aime bien. Je pense que ça va... ouvrir un petit peu, même si le prêtre, mine de rien, il est en forme hein, pour le moment. Hein, ouais, il j'en vois beaucoup sur la dorange. Il va perdre des cartes. Il va prendre un peu cher, mais bon. En tout cas, c'était une carte assez intéressante. Alors, le nouveau Eldemort, 12-12 pour 10. Ah, il est beau, lui. Il est puissant. Déjà, regarde. Ah, l'illustration est terrible. Déjà, regarde la tronche du truc. Ça, c'est en gold. Mais ça. Mais j'ai une question à me poser, ça n'a rien à voir. Mais franchement, là, on nous dit, ouais, les dragons, c'est trop fort. On a fait des films où ça a un peu de Godzilla et consorts. Le film Dragon qui était nulissime, un vendeur de photocopieuses qui met des coups de hache dans la tête des dragons. Mais franchement, avec la technologie d'aujourd'hui, dragon, ok, c'est fort ça. Ça dégomme la moitié d'une ville le temps qu'on envoie l'armée. Quelques bons missiles scud dans sa tronche, on n'en parle plus. Mais non. Mais non, parce que tu vas lui donner plus de force, parce que les explosions de feu vont nourrir la force du dragon. Mais oui, évidemment. Non. Mais oui, évidemment. Tu crois que ça meurt pas au missile, ça? Mais non, parce que ça va te donner de l'énergie, au contraire. Tu vois, ça il va absorber l'énergie de feu. Mais là, t'es dans le dragon mystique. Moi, j'étais plutôt dans le dragon genre... Dans le bête dragon, quoi. Dans le dragon, oui, dans le dragon façon Godzilla. Dans le dragon du terroir, quoi. Oui, c'est ça, le dragon basique. Genre le gros lézard qui vole et qui crache du feu parce qu'il y a une glande qui lui permet, quoi. Là, ça se déglingue à coup de missile dans sa tronche, quand même. C'est vrai qu'il y a un petit missile atomique... Non, ou même simplement... Il n'y a pas beaucoup de problèmes qu'un missile atomique ne résolve pas. Oui, c'est vrai que de manière générale... mais tu sais, il existe maintenant des bombes qui te rasent, rasent le sommet d'une montagne. Ça te l'aplanit, mais quasiment direct. Hein. Le mieux, c'est les bombes propres. Les bombes propres. Ouais, tu sais, ça te laisse toute l'infrastructure. Ah oui, ça tue que le vivant. Et t'as plus qu'à venir mettre tes propres ouvriers c'est dans ça. Les... C'est... Ça tue que le vivant. Bombes propres. Ouais. Bombe économique, c'est dégueulasse, c'est horrible. Non mais c'est bon, voilà, il y a tout, hein, il en faut pour tous les goûts, monsieur. Hein. Parce qu'on vous met aujourd'hui, ah mais moi du propre, hier on a mangé gras, ah, tu vois quoi. Non, bon, bah, en voilà. Tout cas, ouais, non, cette carte déjà, moi je pense que... Après, faut voir, parce que le problème de ce machin-là... On n'a pas lu, hein, donc c'est une 12 ouais. Pour 10, râle d'agonie. Place tous les dragons de votre main sur le champ de bataille. Un de votre main. Ouais.
Deux, donc c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il y en ait 8000 non plus. Deux, les dragons, ils vont légèrement jarter. Hein. Mais le problème, c'est que tu entends déjà le bruit de la cloche, là, tu sais, le ding-ding. Bro, les Tyrion, enfin, les Tyrion, ils gagnent, quoi. Mais les dragons, il y en a quand même beaucoup qui volent avec, avec mon rush noir qui dégage. Ouais, mais il y a quand même les bons gros, la bonne grosse Isera, les trucs comme ça, tu vois. Oui, c'est... mais est-ce que t'as envie d'avoir justement Eldemort et Isera en même temps sur le board? Parce que là, soit tu gagnes en deux tours. Contre un guerrier, non, mais contre tout le reste, pourquoi pas. Ouais. Okay. Ouais, limite un démoniste aussi, ça m'embêterait un peu. T'as, t'as une belle animation, t'as un bout trou noir sur le truc, et puis t'es triste. Et puis t'as plus rien. Ah, puis t'es malheureux. En tout cas. Moi, j'aime bien. En tout cas, moi, j'aime bien. Enfin, ce seigneur Eldemort est terrible. Ma carte préférée, moi, c'est Deathwing, tu vois. Donc, forcément, t'as un meilleur Deathwing, ça ne peut que me plaire, tu vois. C'est vrai, c'est ta carte préférée? Ah, Deathwing, ouais. Mais ma carte préférée, en termes. Pas, je dis pas la meilleure carte, mais ma carte. Ah oui, en termes de En termes de qui me parle, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est que je l'avais fait en gold, puis je l'ai décraft. Ou le. Ouais, je suis un mec comme ça. Ah, tu décraft, toi. Oui. Du golden que tu as crafté avant. Ouais. C'est pas très opti, tout ça, monsieur. Faut bien qu'on reparle, hein. Bon. Ouais. Alors, ceci dit. Petite carte mage encore, l'invocateur sans visage, 5-5 pour 6, cri de guerre, invoque un serviteur aléatoire coûtant 3 cristaux. Ça, c'est bien. C'est pas mal. C'est bien parce que pour 6, t'as une 5-5 et un drop 3. Les drop 3, t'en as quand même quelques-uns qui sont pas mal. Et j'ai envie de dire, pour le coup, et c'est un cri de guerre, donc ça se fait tout de suite. Donc je trouve cette carte vraiment pas mal du tout. Assez bien de carte advantage. Je sais pas ce que tu en penses. Il y avait le. 6 questions. Oui. En termes de séquence, si Smashala fait popper un Bran, parce que parfois ça s'active au même moment. Ah oui, si Smashala fait popper un Bran, est-ce que ça fait popper un autre cas? Non, hein. Mais non, parce que Bran n'était pas sur le board au moment où l'effet. Ouais, mais parfois c'est bizarre, c'est comme avec les pièges et le SI7 par exemple. Tu vois? Ah oui, 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 oui. Par exemple, si tu vas faire. S'il y a un match scientiste adverse, tu le chopes au SI7, le piège s'équipe et le gars va avoir le SI7 alors qu'il n'y avait pas le piège au moment où tu as fait ton SI7. Donc c'est pour ça, hein. Non, techniquement ça devrait pas le faire, mais je pose la question. Donc tu tues le savant avec ton SI7, oui. Et ben ça va, le SI7, même s'il n'y a pas de piège, donc il n'y a rien, il y a juste le savant fou. Hein. Ouais. Le SI7 tue le savant fou, ça met le piège et le SI7 va se faire dupliquer. Pareil pour tout ce qui chope, quoi, pour celle du chaman, là, le golem de feu. C'est normal, il n'est pas encore en jeu. Ouais, c'est le cri. Ouais, mais pour avoir le cri de guerre, faut qu'il soit en jeu. Ah non. La poule ou l'œuf. Ah non. Ah mais non, le cri de guerre, il n'est pas en jeu. Il arrive en jeu. Ouais, mais moi c'est. Ah non. Moi non. Je trouve que. Moi, c'est... Est-ce que tu as joué à Magic? Un peu. Un peu. Bah, souviens-toi justement, à Magic, t'as les coming into play effect, il n'est pas encore into play, il est coming. Il est coming. Il est coming. Il se coming. C'est possible. En tous les cas, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours posé problème. La séquence d'action, parfois de Blizzard, je la trouve pas nette. Ah, mais c'est normal parce que ça n'a pas été. Je la trouve pas nette. Non, mais ça n'a pas été découpé comme dans d'autres jeux. C'est ça, c'est pas séquencé comme il faut. Non. Et donc, du coup, effectivement, mais là, c'était intéressant. En tout cas, une bonne carte mage, je trouve. Mais, hein. Non, mais elle est bien, elle est vraiment bien. Pour un tempo mage. Alors. Encore une carte mage d'ailleurs. Ça par contre, ça, alors, c'est 5, la fin du jeu pour moi. 5-4 pour 5. Attends, on va dire ça. Serviteur de Yogg-Saron. Alors, cri de guerre, lance un sort aléatoire coûtant au maximum 5. Ouais, ça pour moi, c'est la fin du jeu. Pourquoi? Ouais, c'est tellement DRNG. Enfin, là-dessus, tu peux gagner. Alors, Dob 5, qu'est-ce que tu peux avoir en hop. Boule de feu. Au maximum, ça. Boule de feu. Ah oui. Boule de feu, non, c'est coup de temps, c'est un maximum. Bah ouais. Donc tu peux. Tu peux avoir des merveilles d'infâme, tu peux avoir. Ouais, mais. Tu peux avoir. Le problème, c'est là, c'est sort aléatoire sur une cible aléatoire. Enfin. C'est du supra aléatoire. Ouais. Mais ça, ce sera pour les funky boys qui ont envie de se faire non, des petits decks. Ça va être joué dans tous les matchs tempo. Tu penses? Certainement. Très certainement. Ça va devenir un staple du match tempo, ça. Et ça va encore faire grincer des dents. Oui. Ah oui, ça c'est sûr, ça va faire pleurer dans les chaumières. Hein. Encore une fois, ça c'est la carte qui est capable de tout, quoi. Mais moi, je t'avoue que j'aime pas ça. Moi, je préfère avoir des bonnes cartes tout court, avec des effets sympas, mais j'aime pas l'aléatoire, le double aléatoire. Mais, moi, tu remarqueras, hein, comme moi je l'avais dit, là, quand tu regardes dans mes decks de tournoi, par exemple, j'ai fait, il n'y avait pas un deck avec un truc à RNG. Ouais, parce que toi, j'ai... déjà, RNG, moi, là, c'est pas ma spécialité, hein, c'est pas là où je vais le plus briller, mais je vais viser systématiquement, je vais viser la stabilité, quoi. Oui. Je veux que mon deck, il soit pas, t'es pas une partie le meilleur deck du monde. Et la partie suivante, un deck qui te sert absolument à rien. Je veux un bon deck, stable, correct, mais qui soit le même de game en game. C'est ça, qui ne prennent pas trop souvent. Guerrier contrôle, maîtrise, druide. Ouais, ouais, un truc qui ne prennent pas trop tes godasses pour des latrines. C'est quoi. Ça, quoi. C'est ça. J'aime beaucoup l'image. Ouais, je valide. Bon, alors, ici, on a une autre carte
voleur, une 4-4 pour 5. Ouais, on a envie de dire les stats un peu faibles, mais on va voir. Alors, cri de guerre. Choisis une créature, enfin un serviteur allié. Rajoute une 1-1 copie de cette créature dans la main et qui coûte 1. Donc ça veut dire qu'en gros, on se retrouve avec une 1-1 qui coûte que 1. Ouais. On l'a en main, on peut la jouer après, ce qui est pas mal pour comboter éventuellement, mais qui a le même game text. C'est ça. Donc, encore une fois, on pense à des cartes du genre Râle d'agonie, un peu puissant. Surtout, heureusement que le rep dégage. Hein. Oui. Parce que t'imagines ça avec Oreb, pam, tu fais ça au tour suivant, Oreb, allez, un prends pas de compte, tu t'en fous des 5. Rien que le game text est fameux. Tu mais t'as des trucs un peu. Bah, là, c'est un exemple, mais Lock Bomb par exemple. Ah, c'est ça. Un Lock Bomb, enfin, une 1-1. Il sort pas de Lock Bomb. Il vient de quelle extension Lock Bomb? Faudrait qu'on vérifie, mais. Parce que là, sous la main, je l'ai pas. Il vient pas du grand tournoi Lock Bomb? Ça a quand même vachement de tronche de gobelin. C'est pour ça que moi, ça m'a. Tu penses que c'est déjà. On ira voir. Alors. En tout cas, une carte intéressante. Et on avance, on est déjà assez loin dans la ligne. Alors ici, on a encore une carte chasseur. Précédente carte chasseur, c'était tous les familiers qui étaient rappelés. Pour 3, on est une 4-2, donc c'est plutôt agressif. Ouais. Plutôt agressif. Cri de guerre donne à toutes les créatures avec Râle d'agonie dans notre main +1/+1. C'est nul. Enfin, c'est nul. Moi, je suis pas... Il y a beaucoup de râles d'agonie qui vont venir. Ça me rend pas du rêve, quoi. Le problème, c'est que c'est fragile. Ouais, c'est très fragile. Gobelin et gnome. Oui. Ouais. Ah, c'était un GVG, le ouais. Bon, bah voilà. A plus. Ouais, il avait quand même vachement de tronches de gobelin hein, quand tu le vois, le machin. Bah oui, un petit peu quand même. Je suis d'accord. Maintenant que tu le dis. Maintenant qu'on en parle. Hein. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors, du coup, bah voilà, 4-2 pour toi. Ça veut dire qu'il va vraiment falloir construire un deck là-dessus. Est-ce que tu auras assez de serviteurs pour que ce soit intéressant? Est-ce que c'est papa? Le problème, c'est que 2 points de vie, ça meurt sur un rune, quoi. Ça meurt de tout, ça meurt de la profondeur, quoi. Et donc, finalement, est-ce qu'il y a un bon gros pêche-tonnage dans la tronche et pas mieux? Ouais, mais après, on sent vraiment, moi, quelque chose que je ressens, c'est une vraie intention de Blizzard de faire un chasseur beaucoup plus. Oui, qui joue, tu veux dire? Ouais, voilà. Un truc qui se joue. T'en reviens dans la cam, maybe, parce que là, t'es hors. Non, j'ai arrêté, je m'en suis sorti. Bon, reviens dans le champ. C'est mieux ça. Mais attends, qu'est-ce que tu veux qu'on aille foutre dans un champ? Non, maybe, le champ de la caméra. Ah. Tu sais, là, je me refais les camelots, là. Je me suis refait la saison 5. Faudrait que je m'y remette, moi. J'avais arrêté quand ils sont passés en long métrage. Et je me suis rendu compte que quand tu tapes comme ça, genre une heure chaque soirée pour t'endormir de Kaamelott, tu commences un peu à parler comme le roi Arthur. Ah, par exemple, tu regardes les gosses, tu fais « Vous allez décarrer !» Non. Non. Quoi que ça leur apprend un vocable. Ah, oui, mais non. Bon, le CP. Tant que tu parles pas comme le père, là. Non, mais ça fait celui-là encore. Léodagan. Ouais, voilà. Tant que tu parles pas comme Léodagan, ça va, quoi. Parce que là, ça se termine chez l'assistante sociale, quoi. Il est terrible. Encore une carte mage, dis donc. Le Matt Frost magicien, ce qui est marrant parce qu'il a un game text en français. Ouais. C'est bizarre d'ailleurs. Ça sent le vieux montage. Bah oui, c'est une carte qui est vraiment sortie, ça, ou c'est un fake? Je sais pas, j'ai pas trop suivi. Je sais que de toute façon, je vais quand même toutes les voir chez toi. Mais je me pose la question justement, est-ce que c'est pas... Ah, bref. On va quand même la commenter parce qu'on l'aime bien. Parce que je l'ai trouvé et puis me suis dit, si ça se trouve, j'ai téléchargé une connerie en fait. Bon bref, on va... Tu sais quoi? Je vais vérifier pendant qu'on parle parce que là ça me tire le pin, cette histoire. Mais a priori, pourquoi pas? Je veux dire, le game text t'as rien de. C'est pas genre 2-2, tuez votre adversaire. Oui, non, c'est pas ça. Oh, il y en a un nouveau! Ah, ouais, mais il y en avait encore un nouveau qui était sorti. Aujourd'hui? Ouais, encore un autre. Encore un autre que ça? Ouais. Ouais, mais ça va, c'est facile ça. Attends. Bah, on peut le dire, hein. Ah non, attends. Tu veux la mettre? Attends, je vais carrément. En attendant. Mais je trouve qu'elle est pas mal, si elle existe. Alors attends, juste donne-moi 2 petites secondes, on va voir effectivement. Ça doit être là. Est-ce qu'elle existe? Ça a l'air comme ça. Ah oui. Ah, mais je vois pourquoi, oui, effectivement. Ouais. En coréen, en chinois, en japonais, enfin. Ah, mais en fait, il y a plusieurs cartes qui sont sorties aujourd'hui. Ah bah zut! Je crois que c'est celle-là que j'avais vu passer. Ah bah oui, bah du coup, c'est dommage, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Du coup... Ah bah vous voyez, c'est les aléas du direct. Mmh. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ah ça c'est bien ça. Oui mais les gens voient pas. Ah bah les gars, terrible. Alors attends, ce qu'on va faire, hein, on va terminer avec les cartes qu'on a. Donc le magicien, c'est une 2-4 pour 4. Mouais.
On va voir, donc pas très très... Voilà, les stats un peu moyennes. Mais lorsque vous lancez un sort, gèle un adversaire aléatoire. Donc, ça peut être bien dans, dans une optique un peu je frosse tout ce qui bouge, mais... Ouais, ça peut être pas mal, honnêtement. Maintenant, ce qui est bien, évidemment, c'est contre les classes armes. Hein. Ouais, les classes armes. Même contre les os, hein. Honnêtement, tu mets ça, pam pam, t'envoies un, deux, trois sorts, la pièce, machin, et tu l'empêches de faire... évidemment, si t'envoies tout dans la tête... Pas de bol, parce que je suppose que tu peux cumuler, hein, je l'ai plusieurs fois la même cible. Oui, mais, ce serait pas de bol. Mais tu contrôles son board, hop, c'est il, bon. Il faut voir, est-ce que ce sera suffisamment fort pour contrôler? Moi, je la vois bien, dans le match tempo, honnêtement, je pense qu'elle a sa place. Mais le match tempo, il me fait plus... Au plus je vois les cartes, au plus il me fait de plus en plus peur. Ah bah écoute, on va voir ce qui en sera encore. Ma dernière carte qu'on avait préparée... donc c'est... la Shade, qui est une 4-3 pour 4 carte classe prêtre. Ouais. Kiora d'Agony nous dit, copiez une carte du deck de l'adversaire et rajoutez-le dans votre main. Donc ça te fait piocher une carte. Bon, c'est comme une pioche, mais une carte du deck de l'adversaire. Donc ça fait effet un peu vol de l'esprit. Ouais. C'est aléatoire. Quoi. Et donc dans ce cas-là, en drop 4, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. C'est une carte qui peut être dangereuse. Quoi. Autant ça peut être la carte qui va te faire gagner le truc, autant c'est une carte qui va te troll. Quoi. Tu fais ça contre un rogue, ouais, super, t'as un poison, un déluge de lames. Trop bien la carte, OP. Par contre, à contrario, t'es dans la misère contre un guerrier, tu chopes une baston ou tu chopes le Roi distordu. Enfin, tu vois, c'est... Encore une fois, c'est des cartes que j'estime pas parce que c'est des cartes qui sont... ouais, c'est tout ou rien, quoi. C'est tout ou rien. Et du coup, moi, c'est des cartes que j'estime pas. Mais après, ouais, ça peut le faire. Hein. Contre un paladin, tu chopes une conseil, tous les clignes sont board, t'es content. Enfin, voilà, tu vois, c'est pour le même tarif, tu chopes rien, puis t'es pas content. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on a, on a vu quelques cartes quand même à RNG encore très puissantes. Ouais, ouais, ouais. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de voir si on sait récupérer... Si on sait récupérer les quelques cartes qui viennent de sortir. Donc, ce que je te propose, hein, c'est que tu racontes des trucs aux gens. Je rigole. Mais je propose qu'on lance un mini débat parce qu'on avait dit qu'on l'aurait. Qu'est-ce que tu penses justement, toi, de... Ah, ça va être chiant, ça. Ok, en plus, celle-là, on peut pas la détourer facilement. Bon, bah, tu sais ce qu'on va faire, du coup. Tu la mets comme ça? Non, on va la mettre comme ça. Bah, écoute. Qu'est-ce que je pense de... Qu'est-ce que tu penses justement du match tempo? Tu penses qu'il va encore pouvoir tenir le coup? Parce que Atis Flamme, il dégage. Ouais, l'Atis Flamme, ça va pas lui faire du bien, mais... à voir. À voir, parce que... En fin de compte... Bon, c'est vrai que l'Atis Flamme est quand même énorme dans ce deck. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle le match Atis Flamme, hein, concrètement. Mais à voir, parce qu'il y a d'autres... Il y a vraiment d'autres choses sympas qui se rajoutent, hein, notamment celle de la RNG, là, qui envoie la carte, le sort à moins de 5 et tout... Vraiment à voir. Alors après, moi, encore une fois, c'est des decks... voilà, pour moi, honnêtement, le Tempo Mage, là, actuellement, c'est soit le meilleur deck du jeu, soit le deck le plus pourri du jeu. Enfin, ça dépend, quoi. Si le deck décide, tu tues l'adversaire en 4 tours, c'est plié. C'est ça. Moi, je t'avoue que ça me frustre énormément, ce truc. Ben, on voit notamment Tars... Notamment, qui est un fervent adepte de ce deck-là. Ouais. Il avait fait sa route, enfin sa qualif pour les Winters avec ça. Et il l'avait joué aussi dans les Winters. Il avait par exemple notamment défoncé un Grim Patron avec. Et bon, voilà, il était à bout de souffle. Le gars avait complètement tempo, puis il avait la boule de feu en main qui lui a permis d'aller chercher le létal, tu vois. Donc. Pour le même tarif, t'as pas la boule de feu, et là en l'occurrence, bon, ça s'est très bien mis, mais pour le même tarif, t'as pas la boule de feu, puis t'es un petit peu triste. Quoi. Mais c'est ça, et la game s'arrête là. Et... C'est ça, par contre, voilà, là, en l'occurrence, ça avait payé, et il a eu beaucoup de succès avec, tu vois, donc voilà, c'est un deck qui peut. Mais moi, ça tu vois, je suis pas super fan. Alors, vous demandez peut-être ce que je fais, mais justement, je suis allé récupérer les différentes cartes qu'on aimerait vous présenter. Alors, il y en a une comme ça que je vais devoir faire à l'arrache parce que. C'est de la géométrie. Mais. Bon, mais là, comme ça, écoute, la bonne franquette. Mais écoute, tant pis. Je vais vous la mettre. Et alors, il y en a une en chinois. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec celle-là? Il y en a une en chinois. Moi, j'aime pas le chat. Non, je déconne. C'est laquelle en chinois? Ah, celle-là. Alors, attends, parce que j'ai le cantonais un peu rouillé. Je maîtrise mieux le mandarin. Moi, tu vois, c'est ça le problème. Tu vois.
Ah, parce que là, par contre... C'est... Mais je l'ai vu passer sur Twitter en pas chinois, celle-là. En pas chinois ? Ouais. Attends, écoute, on va voir. Et on vous fait ça en live, les gens, hein. À la bonne franquette, quoi. Bah ouais, moi, je vois rien, là. Attends, ça devrait... Allez, va dans les... Là. Ah bah non, mais je suis pas au bon endroit, évidemment. Allez. Normalement, il y a toujours, hein, tu vois toujours des gens qui l'a... Ah bah, encore du chinois, dis donc. Ouais, mais... Ouais, je l'ai vu passer en tout cas. Il y a que des têtes de gens et des chinois. Bon, on peut déjà peut-être commencer par la légendaire. Attends, bon, on va aller voir. Ah. Ça chauffe. Ah, j'ai l'impression qu'on en a vu une. Bah, en fait, non. En fait, ça chauffe pas. Il se passe des trucs sur Twitter. Scandaleux, monsieur, dame. Scandaleux. Ah non, mais moi, je la vois pas, ta carte. Ah, attends. Moi, je ne vois pas ta carte. Hein. Je vais te la trouver. Ah, si, celle-là. Non, c'est Frodan. Non. Ah, je continue à scroll, hein, mais je vois rien. Alors, à la recherche de la carte perdue, on a une carte en chinois à vous montrer, mais... Mais comment je parle légendaire, alors hein, bah, écoute, on va aller... Je vais vous ajouter celle qui est... La légendaire chasseur. Et hop, il y a celle-là. Alors, qu'est-ce que ça raconte, celle-là? Donc ça, c'est pas chasseur, ça. Ça, c'est droïde. Celle-là, oui, mais la légendaire, c'est l'autre, là. Ah oui. Mais alors, la droïde, on est pour un drop 6. Donc, c'est le Dark Arakoa qui... 5-7 pour 6. C'est pas mal, comme ça. Non, c'est bien, c'est vrai. Ah, les 7 points de vie, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça raconte? C'est un taunt, déjà, ouais. C'est encore mieux. C'est pas mal, ouais. Et ouais, c'est même très bien, en fait, maintenant que j'y pense. Et cri de guerre, donne à votre Cthun. Katoon, +3/+3, où qu'il soit. Tu l'as chopé, ta chinoise? Ouais, j'ai chopé la chinoise, elle a kiffé ça. Non, je déconne. Donc, on verra après. Ah oui, ok, attends, du coup, je l'ai. Qu'est-ce que tu penses de ces cartes droïdes? Écoute, moi, je trouve qu'elle est pas mal. Moi, 5, j'aime 7, bien, je 5, trouve 5, que les stats sont propres. En plus, donne un petit effet avec ton Cthun. Après, ce qui est embêtant, c'est que ce soit pas une bestiole. On aurait bien aimé que ce soit une bête, ce machin-là. Ah ouais. Mais enfin, c'est honorable. C'est pas mal, ouais, c'est jouable. Je pense que c'est une carte qui est jouable. Moi, ça me paraît honorable. Ouais. Alors, on va vous montrer la fameuse carte qu'on n'a pas réussi à choper. C'est Broken, ça. Celle-là, elle est Broken. Voilà, on n'a pas réussi à la choper proprement. Ça, j'ai fort. Il y a un petit peu de travail de détourage, mais j'ai pas le temps, là, pendant que je vous parle. Alors, c'est une carte... c'est une bête chasseur. Ouais. Drop 5, donc déjà que c'est jouable. 6-5 pour 5, c'est bien. C'est, ouais, non, c'est rapide. Déjà, les stats sont bonnes. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Battle Cry, donc cri de guerre. Ouais. Alors... Super fait, fort. Fait proquer le Ral d'Agonie d'un des minions. Donc en gros, ça veut dire que si tu crées... Ça synergise très fort avec l'idée. Là, clairement, il y a une volonté de faire un deck chasseur Ral d'Agonie. Ral d'Agonie ou bestiole. Enfin... Ou bestiole quelque Ral chose d'Agonie. De contrôle midrange. En tout cas, ils ne veulent plus voir du machin face ignoble. Et pourtant, le machin face ignoble ne perd pas énormément. Hein. Non. Non. D'ailleurs, je pense que le grand gagnant de cette histoire, pour le moment, ne fût-ce qu'avec les nerfs... c'est l'agro, hein. C'est le chaman, hein. Oui, ah oui, le chaman... Le chaman hyper crackle, oui, fin d'histoire. Ah oui. C'est tout, hein. Il n'y a que ça qui part, hein, chez le chaman... Que le crackle. Il n'y a que le crackle qui part. Il n'y a que ça qui part. Donc. Alors, évidemment, on va dire, oui, mais le crackle, c'est pas mal. Ouais, ben les gens, ils vont enlever les crackles et mettre un Leroy Jenkins. Exactement. Ou un petit truc qui donne furie des gens. Ils vont chercher, ils vont taper face dans le truc, ils vont faire inflige 4 dégâts face, ok, ah c'est ouais. Bon, vas-y, donne, je prends. Mais celle-là, moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une synergie de dingue avec le lion, avec la Sylvanas, peut-être même mettre des... mais juste l'image, hein. Je t'ai dit, j'ai réussi à trouver. Donc... Et donc, pas de pub, monsieur, ici. Et c'est pour ça que je l'ai chuchoté. C'est bien. Et donc, ouais, non, franchement, cette carte, moi, je la trouve vraiment terrible. Vraiment terrible, quoi. En plus, elle est bien, l'espèce de menthe religieuse, là. En plus, c'est une bête, hein. Elle a tout ce qu'il faut pour elle, honnêtement. L'illustration est sympathique. Les stats sont bonnes, le battle cry est bon. La carte chinoise. Ah, ouais, attends, ils ont carrément fait... Mais pourquoi ils l'ont tous en version supramoche? Mais non, mais c'est parce qu'en fait... Non, mais c'est pas... Regarde, remonte, je vais te montrer. C'est carrément une pancarte qu'ils ont mis... Ouais. T'as vu ça? C'est... ils ont mis les moyens. Mais écoute, tu sais quoi? Je vais prendre ça, ce sera plus joli. Alors...
Ah, c'est le, la revue de cartes à la bonne franquette. Ah, écoute, hein. Là, on fait ce qu'on peut, hein, monsieur. À la bonne franquette. On va se faire démolir. Là, comme... Oh, de quoi c'est un motorisme. Professionnalisme. Ouais, y a pas... Il est dans ton... Enfin, bref. Bon, bah là, par contre, on va se faire... voilà, ça, voilà. Ah, on s'est fait décapiter. Tu sais quoi, voilà, on va le mettre comme ça. Voilà, c'est très bien. C'est alors, très justement, bien. Le Twilight Flame Color, qui est une 2-2 pour 3, c'est nul. Attends. Crit guerre donne... Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Du coup... Moi, par contre, là, je suis plus dubitatif. Il faut parce voir. Que... Bah, c'est bien pour bouffer les petits tokens. Quoi. Ouais, faut voir. Si le paladin, gros, fait ce que je pense qu'il va faire, ça pourrait être pas mal en tête carte d'avoir une copie. Il faut dire... Bleh. Ouais, mais je pense qu'il va se mettre bien, le paladin. Je le sens bien, moi, le paladin. Le Vomiladin. Le paladin, gros, ouais, ouais. Ah, je le sens. Le Vomiladin. Ouais, le Vomiladin. Ouais, moi, je le sens très bien. Ça me paraît pas impossible du tout non plus. Possible 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 du tout.